Salut tout le monde, bienvenue sur Channel Paradox. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais raconter une histoire d'une personnalité qui est très spéciale et qui a dirigé le pays d'Haïti pendant 13 ans, 6 mois et 30 jours. Personnalité ça, n'est pas l'autre que le grand, l'incroyable François Duvalier. Pour un pile haïtien, François Duvalier alias Papadoc, pas un être humain. Un pile monde est considéré tant qu'un dieu, qui est tout qui est considéré tant qu'un représentant diable sous terre. Mais pour qui ça? Qui ça qui te cause peuple haïtien te peur Duvalier comme ça? Pour qui ça tout, qui est qu'on vénéré tant qu'un dieu? Et jusqu'à présent, nous avons entendez dans l'entourage nous qu'est mon cap dit plutôt Duvalier là. Toute question ça a été poussée ma vie qu'on est qui genre de personnage François Duvalier alias Papadoc t'es réellement. Après un pile recherche ça m'est arrivé de découvrir ce qui est ce qui était Duvalier t'es vraiment bouleversé l'esprit. Alors avant de commencer à raconter nos histoires ça m'a invité nous abonner à la chaîne là pour qu'à faire partie communauté Paradox là. Installez-vous confortablement les amis, branchez vos écouteurs si vous en avez. L'aventure à la découverte de qui était François Duvalier commence maintenant. François Duvalier alias Papadoc fait dans l'année 1907 dans la ville Port-au-Prince. Malgré gen pile rumeur qu'ap di li pa haïtien parce que grand-papa ak papa sorti dans pays Martinique. François Duvalier était un grand écrivain, médecin et un incroyable homme politique. Duval Duvalier qui c'est papa François Duvalier est un professeur et un juge de paix honnête. C'est grâce à lui qui fait François Duvalier arriver dans niveau pour te quand même vin président pays. Mais maman Duvalier pas vraiment gen grande importance dans yeux dictateur. Premièrement, maman Duvalier qui était le Ulysse Abraham était tout simplement yon cette couturière qui tape travail dans le business le grand bourgeois à l'époque qui était porté non Jean-Marie Moïse. Deuxièmement, Lucien Abraham qui c'est maman François Duvalier qui a mouru très jeune avant même Duvalier te gen 5 ans. Ça qui arrive, c'est réseau ça yo qui cause li pa jam bay fòm importance dans la ville. D'ailleurs, li pa jam kon parler de maman, c'est plutôt de papa avec Jean-Marie Moïse qui te kon ap cité non yo dans livre li kon écrit. François Duvalier fait toute secondaire li dans lycée Pétion. Il était un petit monde qui était fort l'école et il était toujours aimé pour quoi soit il a fait lecture ou bien il a posé question avec des professeurs savés tant que Jean Poissmans qui était professeur sans socialité avec Dumas Saint-Estimé qui était président PIA dans l'année 1946 à 1950. Il était professeur mathématique. Après toute secondaire li, François Duvalier t'a pas entré dans la faculté de médecine dans l'année 1928. 7 ans après, il a pas commencé travail dans l'hôpital. Il y a plusieurs rumeurs qui étaient faites. À l'époque, il y a une maladie qui a commencé à tuer un pile haïtien et c'est grâce à docteur François Duvalier qui a pas venu à un remède qui a guéri instantanément tout le monde qui était atteint avec maladie ça. Et c'est ça tout qui a pas la cause de baptiser nos Papadoc là. Dans l'année 1939, docteur François Duvalier t'a pas marié avec une belle grimelle infirmière qui était les Simone. Mariage ça t'est fait dans l'église Saint-Pierre en dans Pétionville. Quelques années après, madame François Duvalier t'a pas fait 4 petits, Marie-Denise Duvalier, Simone Duvalier, Nicole Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Après un voyage aux États-Unis, François Duvalier t'a pas une grosse carrière en tant que docteur en Haïti. Après il était fini une maladie bien, dans mitan paysan yo, il t'a pas responsable mission blanc américain que qu'on a fait dans pays pour te combattre malaria. En 1946, il devient directeur service national santé publique PIA et en 1950, docteur Duvalier t'a pas devenu ministre santé et travail sous gouvernement président Dumas Saint-Estimé. Bien quoi que là, Kounia, nous commençons à gagner une idée ce qui est ce gros bouton de garçon saté qui c'est François Duvalier. Au cours de carrière en tant que médecin, il a commencé à gagner un mon peuple et puis il a créé plusieurs liens politiques, intellectuels avec plusieurs grandes têtes dans le pays. En 1946, Jean Poissmans a créé un parti politique et docteur Duvalier alias Papadoc a intégré le parti politique. Ça. Pour info, dans l'époque, le peuple n'a pas de droit pour voter pour élu président. C'est ensemble député et sénateur qui a voté la chambre pour te élu nouveau président. En août 1946, pour quelques raisons personnelles, Papadoc t'a pas quitté parti politique Jean Poissmans pour te rejoindre parti politique Daniel Fignolet qui t'a porté nom MOP, Mouvement Ouvrier Président. Toujours dans la même année, François Duvalier avec Daniel Fignolet t'a pas fait mettre du feu plusieurs côtés dans la capitale pour te forcer parlementaire voter pour candidat Payo qui était colonel Demosthène. Pour la petite histoire, Demosthène c'est un vaillant garçon que l'armée américaine a formé après avoir été levé pour mes occupations dans l'année 1934. Malheureusement,
c'est Dumas estimé qui t'a pris président pays et puis il t'a pris nommé François Duvalier en tant que directeur général santé publique et puis il t'a pris mettre Daniel Fignolet ministre éducation nationale. Après quelques années, Daniel Fignolet a pas gâté ses amis avec François Duvalier et puis l'armée d'Haïti a fait un coup d'état contre le président estimé dans l'année 1950 et ça a fait place à un nouveau gouvernement Magloire qui était gros ennemi François Duvalier à l'époque. Jour qui était 22 octobre 1957, François Duvalier a pas élu nouveau président pays d'Haïti et c'est là bagaille pas commencé à changer. Selon témoignage plusieurs proches François Duvalier, le fait connaître depuis jour Duvalier nommé président, tempérament était venu changer. Avant ça, il était un intellectuel, un monde sage et respectueux. Mais après Livin président, Livin devenu un tyran, un monde qui a même sacrifié petit li pour kakembe pouvoir. Ça qui était plus intéressant, c'est qui ça qui fait cause changement ça, la caille docteur François Duvalier. C'est donc ici, dans ce palais forteresse, que vit et médite le premier citoyen de la République. Écoutons-le. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la République? Je jugerais le docteur Duvalier, président à vie de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. De 1940 à 1956, même avant ça même, c'est l'armée pays d'Haïti qui était censé diriger la population. Parce que, à cause de eux-mêmes, le président n'a pas même fait un an sous pouvoir. De temps en temps, il a organisé coup d'état et puis fait tout la lito à gouvernement. Yo. Entre 1956 et 1957, il y a n'importe 5 gouvernements provisoires qui étaient passés sous pouvoir. Qui donc, c'est l'armée pays d'Haïti qui était contrôle le pays. Il mettait le président yovle, et il a pouvoir pour retirer le yovle. Alors, selon eux-mêmes, il y a un intellectuel tant que François Duvalier, pas d'abord. J'aime risquer à poser candidat à la présidence, même étant tisé pour voir ça, qui c'est l'armée pays d'Haïti, sans que l'on pas préparé avec toutes conséquences et avec un plan bien déterminé pour affronter l'armée. Ça. Chose dit, chose faite, tout de suite après François Duvalier fini élu président, en juillet 1958, l'armée pays a pas tenté de mener un coup d'état sous nouveau président. Et lui-même qui était comme ça, il préparé à un moment comme ça, il a pas joué une autorisation pour gouverner par décret. Ensuite, il a pas retiré tout officier dans l'armée qui pas allié. Il a pas mené une politique répression avec CIA. Il a pas créé une organisation qui est les milices des volontaires de la sécurité nationale que nous tous connaissons sous nom Tonton Makout. Organisation ça a été pour objectif exécuter et puis exiler tout le monde qui contre régime Duvalier. En pile monde t'a pas mourir, en pile monde t'a pas disparaître et c'est là toute population haïtienne t'a pas commencer peur Duvalier. Et même il venait au point que pas casser non n'importe comment. François Duvalier lui-même qui était préparé à toute bagarre ça avec support États-Unis. Il a proclamé le nouveau président à vie dans l'année 1964 avec un référendum qui était approuvé à 99%. Ensuite, il a tout profité, changé la constitution, à couleur de drapeau, il a voué les noirs et rouges. Pour l'idée qu'a fait la population haïtienne plus peur, il a fait connaître que les séances et puis mettre photo en tant que représentant baron samedi dans tout le pays. Et c'est là que je déduis si Dr Duvalier alias Papadoc pas adopté le régime dictature, il n'a pas jamais joué le peuple haïtien ensemble avec la. Pays. Le 21 avril 1971, après 13 ans et demi sous pouvoir, Dr François Duvalier est après mourir à l'âge de 64 ans. Tout de suite après, petit Li Jean-Claude Duvalier, à 19 ans d'âge, est après élu nouveau président paysan à vie. Mais à cause du manque d'expérience, est après craser le régime Nanamel le 8 février 1986. Jour ça, c'était gros fête tout côté dans le pays. Il y a des gens qui étaient tout profité, mené campagne pour assassiner la majorité de Tonton Makout dans tout coin qui ont été reconnus. L'un des plus gros dégâts qui ont été fait, c'est mausolée François Duvalier, yo t'a pas le craser et puis yo t'a pas le penser que là mettez cadavre là dans la rue, battre et puis prendre lunettes qui était dans une là, ensuite tomber chanter. Voilà en tout cas les amis, c'était l'histoire de François Duvalier alias Papadoc qui était arrivé contrôler yon l'armée arrogant pour compte plus yon peuple haïtien qui pas de compte salve. Il était arrivé instaurer un régime dictature, imposer loi pal et puis couper tête tout le monde qui pas respecté et appliqué commandement. Si toutefois vidéo ça t'a intéressé, ou pas hésiter à partager la avec tous les amis sur tout groupe, sur tout réseau social yo, pour yon ka compte qui est qui était François Duvalier. Sous moi ça les amis, m'a dit nous bye bye, n'a croisé très bientôt pour une autre vidéo sur même canal qui c'est Paradox TV. Peace.